Bonjour à tous, bienvenue sur Grid Memories, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de quelques minutes pour convaincre. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce truc-là. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous. Il s'agit de El Shaddai, de toute façon, une fois de plus, c'était marqué dans le titre de la vidéo. El Shaddai, sorti sur Xbox 360, donc voilà, on va y jouer sur Xbox 360 aujourd'hui. Sorti également sur PS3. Le jeu a une certaine cote d'estime, j'en ai pas mal entendu parler. On va dire qu'il... les avis sont partagés. Il y en a pas mal qui m'ont dit que c'était un peu chelou. Beaucoup qui adorent, ça a l'air d'être un jeu culte. Moi ça fait un petit moment que je me le traîne dans la collection. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, je vous le mets comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Jamais pris le temps d'y jouer. Donc il s'agit d'une version française, avec texte en français au dos de la boîte. Un voyage vers un monde inconnu des mortels. Un voyage vers un monde inconnu des mortels, c'est ça. Donc hop, l'intérieur de la boîte, rien de sensationnel. Donc voilà, moi j'avais ça depuis belle lurette dans la collection, jamais pris le temps d'y jouer. Et bien voilà, c'est l'occasion aujourd'hui, via ces quelques minutes pour convaincre. Mais avant, comme je l'ai instauré lors de la précédente vidéo, on va répondre à une question d'un des membres du groupe Green In Memories sur Facebook. Il s'agit de Charlie HD Omaha, qui nous demandait, alors je sais pas si DGX répondra dans une prochaine de ses vidéos, mais qui nous demandait ce qu'on pensait du prix de l'Oculus Rift, qui a été annoncé il y a quelques semaines. Alors ça tombe bien que je réponde à cette question aujourd'hui, puisque en fait, logiquement, cette vidéo devrait être diffusée quelque part la semaine prochaine, donc le jeudi 24, je dirais, jeudi 24 normalement, si tout se passe bien. Et en fait, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera une semaine que les prix du PlayStation VR ont été annoncés. Voilà. Alors l'Oculus Rift a été annoncé à quelque chose comme 700 ou 800 euros. Le PlayStation VR a été annoncé autour de 400 euros. Alors je vais vous le dire franchement, la réalité virtuelle, les casques, les trucs comme ça, ça me passe mais alors complètement au-dessus de la tête pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le jeu vidéo, c'est une manette dans les mains. On s'assoit bien confortablement dans son canapé et on est devant un écran. Voilà, ça peut être convivial aussi avec un pote à côté de soi ou une copine avec qui jouer ou une petite fille aussi avec qui jouer éventuellement. Voilà, faut que ce soit convivial, faut qu'on puisse se parler, qu'on échange comme ça, mais en réel quoi, IRL. Donc un casque fixé sur la tête, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Ça ne m'attire vraiment pas. Il y a plusieurs personnes qui sont venues m'en parler pour me dire oh, tiens, le PlayStation VR a été annoncé, qu'est-ce que t'en penses, machin. Alors, je n'en pense rien du tout, ça ne m'intéresse pas. Donc après, en termes de prix, le prix de l'Oculus Rift, bon voilà, on se demande parfois si ils n'ont pas mis ce prix-là pour dire aux gens, regardez, c'est de la qualité, il faut acheter, ça coûte super cher, donc c'est forcément bien. Bon voilà, une fois de plus, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Je sais pas si j'avais été intéressé par la réalité virtuelle, si ces prix m'auraient freiné. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse pas. Donc, bon, je trouve ça un peu cher. Après, c'est difficile de juger. Quand on voit Sony annoncer le sien à 400, on se dit que sans doute l'Oculus Rift à 700 ou 800, je ne sais plus trop, ça paraît démesuré. On verra bien quand ça sortira, les retours qu'on en aura. Mais j'ai comme l'impression... J'espère me tromper, qu'on va se retrouver avec un petit peu le même effet que sur le motion gaming, à savoir, waouh, ça déchire au début, et puis en fait, on n'en fait plus rien derrière. Si vous prenez le Kinect sur Xbox One, et même le PlayStation Eye, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est PlayStation Eye, l'espèce de petite barre qu'il y a sur la PS4, là, ça ne sert strictement à rien. À rien quoi, voilà, les trucs qui sont sortis, ça coûtait 100 balles de plus pour l'avoir avec la console, et ça ne sert à rien, voilà, à part sur Xbox One, voilà, et ma console qui me dit bonjour Cédric, à chaque fois que je me connecte, voilà, c'est super, et génial, vraiment très 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 intéressant, voilà. Je sais pas Charlie HD Omaha si ça aura répondu à ta question, mais c'est en tout cas ma réponse, voilà. Maintenant, on se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique, pour découvrir El Shaddai, c'est parti. Thank you.
nous voici avec ce petit El Shaddai. Donc je vous ai passé, il y avait une espèce de séquence d'intro. Je vous l'ai passé parce que c'était... c'était pas très clair. Bon voilà, on va voir ce que ça donne dans le reste du jeu. Donc j'ai le choix sur le début de la partie entre facile et normal. On va se mettre en normal, hein, on n'est pas des rigolos. Et c'est parti. Dans l'intro, le personnage disait qu'il allait nous raconter une histoire qui est un petit peu à cheval sur les temps d'il y a 340 000 ans ou d'il y a peu. C'était pas très clair. On se retrouve transporté là-dedans, on sait pas trop d'où on vient. Allez, oh là là, d'accord. J'ai le temps de découvrir les boutons. Donc j'ai un bouton qui me sert. C'est génial. Donc j'ai un bouton qui me sert à taper, je vais recommencer, c'est pas grave. Donc il y a le bouton X qui sert à donner des coups. N'abandonnez jamais, même si l'épuisement vous accable, battez-vous jusqu'au bout. Si vous mourrez au combat, appuyez rapidement sur les touches de la manette. Faut appuyer. Bah non, ça fait rien. Bon, start. Ouais, d'accord. C'est là qu'il faut appuyer. Ah oui, c'est ça. D'accord. Mais ça revient en arrière. Hein? Mais il bug le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais... c'est même pas moi qui ai appuyé là, ça relance le truc. C'est fait exprès, c'est voulu. Ah oui. Ah d'accord. Voilà, c'est lui qui dit qu'il va raconter l'histoire là. On a l'air d'être dans d'anciens temps. Et le mec il se balade avec son téléphone portable. Donc ce que je vous ai pas précisé, c'est que je suis allé dans les options aussi pour changer la langue des dialogues, pour les passer de anglais à japonais. C'est plutôt un bon point le fait qu'on puisse passer les dialogues en japonais, même si bon, on y comprend moins, mais en termes d'ambiance et d'atmosphère, c'est plus sympa. Ça y est, je vais pouvoir jouer. Donc, on comprendra que je m'appelle Enoch. Oui. D'accord. Voilà, je peux sauter. Je peux taper. Wouhou! Donc il y a un bouton pour sauter. Et un bouton pour donner des coups. Voilà, il s'éloigne, je sais pas pourquoi. Ah maintenant je peux courir. Les autres boutons servent pas, oui. Ah si, ah, il y a celui-là qui sert à se protéger, on dirait. Donc c'est le RB. Bon. Ok. Pour l'instant, c'est pas très très clair, hein. Faut que je les tape. Dieu créa les fruits de la sagesse, ils peuvent être utiles aux hommes ou servir pour du mal. Tout dépend de la façon dont ils sont utilisés. Ne laisse personne en approcher lors du combat. Faut que je protège ces trucs-là. Faut que je tape. Laissez-moi taper. Donc c'est bien ce que j'avais vu, ok, on bouge, machin, attaquer, bloquer, et double saut. Ah, il y a un double saut. Ah ouais,
On peut faire une espèce de coupe en l'air. Ça a l'air un petit peu, comment dire, spirituel comme jeu. J'ai pas fini. Une arme de Dieu? Tu vas me donner une arme? Ah oui, jolie! Une arche! Bon, ça avance pas trop quand même, hein? Je peux taper avec ça maintenant? Ah, très bien. Allez, venez vous la coller là. C'est un peu limité en termes de gameplay, hein. Il y a juste à appuyer sur le bouton. Je sais pas si ça va se diversifier ensuite. Et si je saute? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Semuyaza hikiru Grigori no tenshi tachi ga daten shi chijoukai ni nogareta no ni kizuita no wa. L'histoire a l'air un peu perché quand même, hein. Yuru chie ga motsurareta ato datta. So. Ima no youni. Bien joué. Mais qui c'est lui? C'est qui je suis? C'est pas... C'est un peu flou. C'est un peu flou, mais si on s'en limite à l'aspect technique, c'est plutôt joli. Il y a un certain charme qui se dégage des décors, des personnages. La patte graphique ne laisse pas indifférent.彼らのそばにいる。気をつけろ。帳を抜けるぞ。帳を抜ければ地上界だ。懐かしいだろ、リノック。地上界に転生したのは7名。7名。 Ces chaînes retiendront les anges déchus dans leur prison. Jamais encore elles n'ont servi. Alors serrez-les bien. Est-il possible de les laisser ouverts pour eux? N'hésitez pas à les bousculer un peu. Mais... qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Bon. Azazel. 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 C'est tout? Faut juste que je joue ces trucs-là, là? Ezekiel. Il y a un joueur de foot dans le jeu. C'est bon, ça. Itsukushimu という kotoba no imi wo. Et c'est tout. Oh là là. C'est un peu limité, hein. Odoru aitsu no kuchi kara hansei no kotoba ga kikereba ii ga.
Bon, bon, bon. Allez, plus de deux. Ça fait un peu QTE pour l'instant, hein. Bien, bien, bien. Ça y est, je vais pouvoir pouvoir taper. Des méchants, des méchants. C'est Nocto. Bon, c'est pareil, le méchant a un design assez sympa. Et voilà, bon, alors c'est du gameplay beat'em all, quoi. Ça fait un peu ça fait très God of War, Devil May Cry et ce genre de choses là. J'ai des petites boules qui viennent vers moi. C'est de l'XP, un truc comme ça. Flamme de pouvoir augmente les capacités latentes du knock. Ok, donc ça doit me faire monter en compétences. Dans le menu pause, là, j'ai pas des... Non, c'est tout. Et sur select... Non, bah non, y a rien. 2 minutes 23. Ça fait 12 minutes de capture, à peu près. 2 minutes 23 de jeu. Bien, bien, bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, il y a des coups chargés. Voilà, prenez-vous ça dans les dents. Alors, je sais pas, il n'y a pas... C'est tout, il n'y a que ça comme coup. Pas l'air d'avoir grand chose de plus pour l'instant. C'est un peu répétitif pour le moment. Et sinon? Ah. Oui. Et donc j'ai quoi, c'est... Je suis pas allé assez vite. J'ai la manette qui vibre frénétiquement. Les décors ont quelque chose de grandiose quand même, c'est assez impressionnant. Là-bas, ça fait beaucoup penser à God of War quand même dans l'esprit, hein. Avec des espèces de titans là. Je sais pas trop ce que je casse là. On va essayer d'avancer un peu. Allez, on est à 15 minutes à peu près. On se laisse 5 minutes de plus. Allez, hop, je peux. Non, je peux pas tomber, c'est assez dirigiste. De nouveaux ennemis, des rampes. Ouais, ok. C'est assez particulier comme univers, hein, quand même. On pourra au moins lui reconnaître ça. Tiens, c'est Nocto qui revient. Sur les petits.
ses chemins. Ils sont pas trop pris la tête pour les décors de fond quand même. Mais il y a un vrai style quoi. C'est le on peut pas dire que le jeu est une touche graphique banale. Le jeu a vraiment sa propre personnalité, c'est assez. Ça peut être déroutant, mais. Mais j'aime bien. J'aimerais bien que le gameplay se diversifie un peu quand même. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Lorsque vous purifiez un ennemi, son ignominie s'accumule sur votre arme. Il est possible de vous en débarrasser en purifiant votre arme à son tour. Courage Inox, si quelqu'un en est capable, c'est vous l'élu des dieux. Je suis l'élu de Dieu. Et il faut que j'appuie sur LB. Tiens. Une nouvelle attaque. Ou attention. Allez, venez vous la coller là. Ah bah c'est encore l'autre qui me parle. Pouvoir de purification. Allez, venez là que je vous désingue. Qu'est-ce que ça change? Peut-être que ça les tue plus vite. Ah tiens. Lorsqu'une arme est équipée, déplacez-vous de sorte à améliorer encore son efficacité à main nue. Tournez sur vous-même pour éviter les coups. RB plus A. Ah oui, d'accord, c'est un genre d'esquive. Ok, bah s'il veut. Avançons. Cette attaque fait plus de dégâts que vos autres coups. Mêlez-la à vos autres prises pour de meilleurs résultats. Ah bah c'est des combos. Attaque spéciaux. Attaque spéciaux à la traduction. Magnifique. Ah bah oui. Bah voilà. Voilà, alors là on est vraiment dans le God of War. Là. Avec le fait de balancer l'ennemi en l'air là. Oh ouais ouais. Eh dis donc. Bah oui. Oh là là, on est vraiment dans le God of War. Très bien. Continuons. Alors, est-ce que j'arrive au bout? Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ah oui, encore l'autre qui me parle. Bon alors on va laisser ça, on va s'arrêter, ça fait une vingtaine de minutes. Salut! Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Il parlait qu'il y a Dieu. On dirait jusqu'ici ça va. Vous savez que je ne vous dirai jamais. C'est un petit comploteur lui, c'est ça? Après tout, vous êtes le... Ah voilà, vous êtes le Seigneur. Il parle à Dieu. Avec son téléphone portable. Si tu dois enregistrer ta progression, je suis... Bah voilà, bah je peux enregistrer. Bon, très bien. Bah ça va me permettre d'enregistrer ma progression et de reprendre plus tard. Voilà. On se retrouve dans deux petites secondes pour débriefer cette découverte un petit peu particulière. Allez, bien. Bon, que dire après cet essai, comment dire? Étonnant. Perturbant, déconcertant. Ouais, je suis pas dubitatif, mais je voilà, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans le, enfin, beaucoup avancé, d'en avoir beaucoup appris sur le jeu.
forcément, on a fait un petit essai d'à peine une vingtaine de minutes. Donc on n'avance pas énormément, mais sur ce qu'est le jeu, sur son scénario, sur son gameplay, j'ai pas l'impression d'avoir vu grand chose. Alors vous me direz, bon voilà, on n'est pas sur un jeu, à l'ancienne, où on découvrait le gameplay assez rapidement finalement. Là, sur les jeux plus récents, on a souvent une espèce de didacticiel dans lequel on apprend pas mal de choses. Donc voilà, on va pas juger le jeu là-dessus, évidemment, ça va de soi. Ce qu'on peut relever déjà en termes de technique, voilà. Graphiquement c'est plutôt joli. Moi je l'aime bien, je vais le poser là pour arrêter de le tripoter. Voilà. C'est plutôt joli. J'aime bien l'aspect graphique. C'est un côté un peu dessin animé, un peu cel shading qui me plaît bien. Les personnages ont un design qui est assez intéressant. Les musiques sont vraiment. Ça accroche bien, quoi. J'ai pas mal accroché aux musiques, c'est assez orchestral, symphonique, tout ça, voilà, avec des chœurs, des chants. Donc ça met bien dans l'ambiance, c'est sympa. Au niveau sonore, on a aussi la possibilité de mettre en japonais, alors ça forcément ça change tout. Alors on comprend plus rien à ce qui se raconte, parce que l'avantage avec l'anglais c'est qu'on n'est pas. Enfin voilà, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, vous n'êtes pas obligé de lire les textes. Mais bon, le japonais ça a un petit côté un petit peu underground, ça fait toujours plaisir de jouer à un jeu où ça parle en japonais. Donc voilà, pour la partie technique, sur la maniabilité, voilà, pas trop de problèmes. Pas grand chose à dire, j'avais pas beaucoup de possibilités sur le début du jeu, ça se manie bien. Voilà, bon. Après, sur le jeu en lui-même, je dis, niveau scénar, ben on sait pas ce qu'on fout là. Ça a l'air d'être un élu des dieux, mais pourquoi il est là, qu'est-ce qui est marqué derrière la boîte d'ailleurs? Donc un voyage vers un monde inconnu des mortels. Donc l'avis du magazine UK officiel Xbox Magazine, il s'agit probablement de l'un des plus beaux jeux auxquels nous ayons joué. Bon, j'irai pas jusque-là. Bon, ceci dit, c'était en 2011 qu'il disait ça. Ouais, j'irai pas jusque-là quand même. Découvrez une aventure qui combine avec perfection différents types de gameplay. Exploration 3D, combat 3D, exploration 2D, combat 2D. Et même conduite. Ah tiens, bon, ça c'est des choses qu'on pouvait forcément pas voir dans cette partie découverte. A priori, il y a d'autres phases de gameplay un petit peu différentes, avec de la 2D et de la conduite. Bon, voilà, je découvrirai ça si je poursuis le jeu. Mais ça, ceci dit, voilà, c'est là où on va finir par arriver à cette conclusion-là. Laissez-vous enchanter par des décors sous forme d'œuvres d'art en perpétuel mouvement. Tenez-vous prêt pour un voyage audiovisuel dans l'esprit du réalisateur du jeu, Sawaki Takeyasu. Ok. Facile à prendre en main, long à maîtriser. Engagez-vous dans des combats aux commandes simples et intuitives. Différents niveaux de difficulté permettent aux joueurs occasionnels comme aux vétérans de profiter de cette quête épique. Oui, bah alors si on est dans la tête du réalisateur, du coup je comprends que ce soit un peu barré. Bon voilà, le but du jeu en lui-même, j'ai du mal à l'appréhender. Par contre, il a un petit quelque chose. Le jeu a clairement un certain charme. Ça me donne envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Je pense que je vais le creuser un petit peu parce qu'il y a quelque chose d'attirant dans ce jeu. Je sais pas, la partie graphique qui est un peu prenante. Cette espèce d'univers un peu particulier qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sort clairement des sentiers battus, ça c'est indéniable. On pourra comprendre par contre que ça plaise pas à tout le monde, hein. Les amateurs de pam pam boum boum et de vroom vroom, forcément, ça va pas trop leur parler. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce jeu. Je suis pas convaincu, c'est compliqué d'être convaincu avec l'essai qu'on a fait là, mais ça donne envie de creuser en tout cas, indéniablement. Ceci conclura cette vidéo de présentation de ce El Shaddai sur Xbox 360. Je rappelle que c'est aussi sorti sur PS3. On va parler sous vite fait. Le jeu commence à avoir une certaine cote d'estime, on va dire. Son statut de jeu plus ou moins culte a fait monter la cote ces derniers temps. Donc pendant un moment, ça se trouvait déstocké autour de 10 balles, voilà. Ça le fait, 10 balles. Bon, là, ça commence à monter, si je dis pas de bêtises, ça commence à chiffrer autour de 25, 30, ça peut monter un peu plus haut. Bon, ça commence à piquer un peu au niveau tarif. C'est une expérience qui vaut la découverte, clairement, pour les gens qui sont un petit peu curieux. Pour les autres, voilà, je suis pas sûr que ça vous motivera à mettre une trentaine d'euros dans ce genre d'ovni. En tout cas, moi, je vais poursuivre, clairement. Voilà, ceci termine cette vidéo. J'espère que cette petite présentation en mode découverte vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent le jeu, à me donner vos avis dans les commentaires pour
pour m'expliquer un petit peu éventuellement de quoi il s'agit, si vous en savez plus. Ça me donnera peut-être encore plus envie de creuser cette histoire. N'hésitez pas de la même manière à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, etc. etc. Je vous en remercie par avance, et je vous dis à très bientôt pour tout un tas d'autres vidéos sur Game Immemories. Vous pouvez évidemment retourner jouer à la console. Allez, ciao !